de la confiance que vous me témoignez en m'investissant en tant que candidat à la présidence de la République du Niger. J'accepte donc avec une grande joie et une foi inébranlable en vous votre proposition d'être candidat aux élections présidentielles. Dans mes fonctions passées, j'ai fait la preuve de mon patriotisme et j'ai fait le serment de ne décevoir aucun de vos espoirs. Contrairement à ceux qui parlent de la démocratie et ne la respectent jamais, à ceux qui s'engagent mais ne peuvent pas, à ceux qui savent tout mais au fond ne connaissent rien. Nous allons à la conquête du pouvoir et pour ce faire, nous avons besoin de tous et nous devons faire une place à chacun. Nous devons donc aller à la rencontre de nos compatriotes, non pas avec l'arrogance des puissants comme le font certains, mais avec l'humilité de ceux qui savent que leur projet est juste. En effet, de chaque côté que nous regardons, la mer en visière, nous apercevons les murs lézardés de notre pays qui nous intiment l'ordre de nous baisser et de bêcher jusqu'à avoir les mains à vif. Malgouvernance, institutions sous ordre, insécurité galopante, corruption endémique, école en panne, infrastructures défaillantes sont les causes de notre classement en hiver. Je refuse que mon pays soit encore cité en dernier, car au-delà de l'infamie qu'elle nous porte au présent, ce classement projette le déshonneur sur ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos enfants. Je refuse que ce pays si riche de ses ancêtres, de son histoire, de son peuple, de son sous-sol, soit encore traîné dans la boue du fait de ses élites. Lorsqu'on aspire à gouverner, Monsieur le Président, il faut être l'homme qui ne garde pas rancune. Il faut être l'homme qui est capable de s'asseoir dans sa colère, de réfléchir et de se dire peut-être que la faute vient de moi. Et d'avoir le courage de se le dire à soi-même et d'approcher les autres pour effacer ce qui a causé le trouble entre vous et l'autre. Vous avez cette capacité. La gloire éternelle nous attend et c'est vous qui la porterez sous vos épaules. Chers amis, j'étais venu pour vous lire un discours. Mais je vous ai parlé avec mon cœur, car j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, aidez-moi. Merci à tous d'être venus. Bon retour chez vous, que Dieu vous bénisse. Vive Amin Amin, vive la République, vive le Niger, je vous remercie. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs, ça s'applaudit.